Bon matin, je m'en vais réveiller en tout avec son petit café comme à tous les matins, sauf que d'habitude il est déjà réveillé. Bonjour. Yo. Bon matin. Bon matin. Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog. On est sur la gauche ce matin. On a une quand même nice journée, je dois dire. En avant-midi, en tout cas. Ouais, avant-midi, une couple d'heures, là. Petite. Oh, un petit date. Oui. Un vendredi date. J'étais quand même pressée, fait que j'ai amené genre tout mon make-up, puis je suis en train de me maquiller, fait qu'auto-conduit pour ça. Puis là, je remarque que. Je suis bien concentrée. Ouais, non, puis que je l'ai fait au soleil, fait que mon. Tous mes trucs sont quand même assez intenses. Mais bref, ouais, on a une. Très cool journée, fait que je me suis dit que j'allais vous amener avec nous aujourd'hui. On va faire un petit peu de shopping pour la maison. On s'en va à un événement Simons, fait que ça va être super cool. Je me suis dit que ça allait être nice de vous amener avec nous. Ça va faire changement des vlogs qui sont à la maison. En tout cas, plein d'affaires. Fait que premier arrêt ce matin, hier, je suis allée faire un petit bureau Winners justement. Parce que c'est ça, là, je suis vraiment sur un kick, puis ça, je disais en tout. De décorer. Ces temps-ci, là, on dirait que vu que je peux pas magasiner, je suis comme. Là, on est rendu à la portion de toute façon de décoration à la maison, vu que genre on finit comme les grosses pièces, les gros. Principalement tout, raison. Là. Fait que, on dirait que ce qui manque pour rendre ça vraiment plus homey pis genre cozy, c'est justement de la déco. Ouais. Parce que même à l'appart, on n'a jamais vraiment décoré en se disant c'est tellement temporaire. Mais j'ai comme jamais pu laisser aller ma créativité dans ce cas-là. Ouais. J'aime vraiment ça. C'est pour ça que j'aime, je pense, autant genre magasiner. Parce que ça me permet de laisser aller ma créativité puis genre de ouais, faire des belles choses. Mais t'es bonne aussi. Mais j'aime ça. Mais je pense que j'ai pas de talent inné. Il y a du monde qui l'ont genre vraiment inné. Ouais, mais je regarde tellement d'inspiration genre sur Pinterest ou whatever que c'est ça qui m'inspire. Hier, c'est ça, j'étais allée au Winners. J'ai été quand même raisonnable et j'ai trouvé vraiment du beau stock. Là, il y avait renfloué les étagères. C'était à la perfection. Mais il y a un miroir que j'ai songé à acheter, que j'ai finalement pas acheté et que je regrette. Fait qu'on s'en va le chercher ce matin. J'étais comme avant toute chose, on va faire un arrêt là-bas puis on va aller le chercher parce que, ouais, je pense que ça va être vraiment beau dans le décor. Puis on a pris les dimensions aussi. Ça, je voulais faire avant de l'acheter, là, juste pour être sûr que ça allait pas être too much. Parce que c'est pour mettre dans notre chambre, à la place du miroir qu'on a au-dessus de notre commode en ce moment, c'est pour le remplacer. Fait que celui qu'on a là initialement, on va le mettre dans la chambre du petit. Puis, on va remplacer le nôtre dans notre chambre. Fait que je pense que ça va être vraiment sharp. On a le miroir! Hey, je suis tellement contente, j'avais tellement peur que... Ça part tellement vite là-bas que tu sais jamais. Fait qu'il ressemble à ça. Il est vraiment similaire à celui qu'on a en ce moment, mais il est vraiment plus gros. Fait que, pis t'sais, il a l'air plus. Je veux dire, un peu moins cheap. Je sais pas, il a l'air de meilleure qualité. Fait qu'il est. Ouais. À la perfection, ça va fitter avec notre petit décor. Ah, oh, j'ai hâte. Là, c'est excitant. On s'en vient déjeuner. C'est un petit bout que je. Ah, oh, mes clés sont dedans. Ouais. J'avais vraiment envie de manger du halloumi coco depuis plusieurs semaines. Fait qu'on vient faire un petit déjeuner, prendre des forces. Merci madame. Plaisir monsieur. J'aime tellement leur patate ici là. Mm. Bon, fait que moi je pense que cette assiette là me fait vraiment de l'œil. Parce que j'aime ça un peu sucré, mais l'autre fois quand on est allé déjeuner, j'ai pris une crêpe puis c'était juste too much. Fait que ça c'est genre des œufs, leurs patates. Pas ces patates-là, j'espère, par exemple. Je veux leurs patates mâches, là. Fait que, ouais, choco coco avec une crêpe. Toi, tu prends quoi, finalement? Ouais. J'essaie d'être sage. Faire des choix, des bons choix. C'est sûr que c'est difficile quand t'as plein d'options. Moi, vu que je peux pas prendre des œufs bénis, qui aurait sûrement été mon classique de d'habitude, ouais, je vais prendre ça. Choco coco. Yay! Lunch is servi! Oh my god, ça va être tellement bon. Il y avait les patates, il y avait ceux-là, puis il y avait les autres. Fait que trop nice. J'avais complètement oublié que je pouvais pas prendre des œufs coulants. Fait que je les ai pas mangés. Oh, sad life. On s'en va là, en direction
du Simons. Ah, c'est lui qui a mes clés. Ouais. Fait qu'on s'en va au Simons Fairview Pointe-Claire pour l'événement. Fait que, ben excitant. Ben, ben fun. J'ai hâte. Ouais. Ah, tu l'as décliné avec ça? Ouais. Oh. Ah non, pas vrai. Ah ouais, attends. Donc là, on vient juste d'arriver. Fait que ça a été. La route s'est bien faite. Parce que c'est pas moi qui ai conduit. Excuse-moi, hein, ouais. Je pensais que tu étais encore en train de faire tes stories. Mais moi, je viens de faire un petit Q&A sur Instagram. Si jamais vous suivez pas mon Instagram, nos Instagrams sont en bas en description. On est venu au Fairview, au centre d'achat Fairview Pointe-Claire Simons pour. L'ouverture, ils sont ouverts depuis le 5 mai, officiellement depuis hier. Fait que on vient faire un petit tour, regarder ça a l'air de quoi, découvrir, puis évidemment magasiner. Fait que on va peut-être en profiter aussi parce que c'est la fête des mères en fin de semaine. C'est vrai. Fait que on a proposé à la mère Anto, elle aime bien ça qu'on se fait des journées genre jeux et tout là. Fait que on l'a texté ce matin pour lui demander si elle tentait de faire ça, puis on va faire un super maison. Mais on va peut-être y regarder pour un genre de cadeau ici ou quelque chose comme ça. Vu que c'est un full centre d'achat, ben on va pouvoir se promener. Donc on va essayer de se prendre un petit quelque chose. J'aime ça donner des bijoux. Je trouve que ça fait genre féminin, délicat, avec des mères. Mais bref. On va voir si on n'est pas capable d'y trouver un petit quelque chose. Et puis, tu as des trucs en particulier que tu aimerais regarder? Non. Je déteste magasiner. Oh la robe t-shirt dress Vans. On va-tu voir le coin déco? Non? Ok. Oui, mais... Ouh! Ça, c'est... Ça, c'est mon vibe. On va voir ce que ça donne. Genre... Ça... Ça a l'air fou. C'est un autre style. Hein? J'aime bien la blanche. J'aime pas la blanche. On a l'air d'aller robber une banque ensemble. Oh, la beige! J'en ai une blanche, fait que c'est pour ça que je suis comme. Mais il y en a une beige. Peux-tu aller me la chercher, la dernière? Hein? Ben, c'est beige, lui. Ouais. Non? Je vois pourtant la différence. C'est cute, ça. Genre pour l'extérieur, mettons. Ouais, fait que là, on est dans la. Vraiment plus dans la déco de maison. Comme cute, ça. C'est tablette, genre. On avait un exterminateur qui était possiblement supposé venir pendant le temps qu'on allait être parti. Je me demandais juste, on se demandait s'il était venu. Je pense pas, non. Oh que non, je pense pas. On a un gros problème de guêpes dans la cour. Dans le fond, tout le rectangle qui est là depuis qu'on a déménagé. C'est infesté de guêpes. Et c'est des guêpes de terre. Donc, bonjour. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas des guêpes standards. Puis eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils vivent vraiment dans le sol. Fait que là, ils se sont, au fil des années, j'ai l'impression que les anciens propriétaires s'en sont pas tant occupés vu que c'était comme une madame plus âgée seule qui était ici. Je pense pas qu'elle est venue en tôt. Non, ça sent pas rien, puis il y a full de guêpes. Mais bref, c'est ça, tu sais, ils piquent pas, ça c'est la bonne chose, mais c'est, vous, en tout cas, si jamais ça vous intéresse, vous irez voir, guêpes de terre. C'est genre des nids dans le sol au complet, mais nous autres, ils l'ont fait dans tout le rectangle au complet, qui fait, je dirais, peut-être un 3 mètres par un
13 mètres, là. C'est vraiment immense. L'année passée, ça me dérangeait. Ben, ça, c'était pas agréable, là. On s'entend, j'aimais super agréable. Mais on pouvait pas profiter de la cour parce qu'on avait comme peur. C'est vraiment pas un setup qui avait du sens. Fait qu'on se disait, bon, regarde, au pire, c'est pas si grave que ça, on s'en occupera l'année prochaine. Puis là, cette année, vu qu'on a une table, qu'on veut pouvoir profiter de l'extérieur sans se faire toujours bzzz dans les oreilles. Ben, c'est ça. Fait qu'il était censé peut-être venir. Je pense pas qu'il est venu encore. Fait que. Bref, c'est censé être aujourd'hui. On a de superbes trouvailles Simons, les amis. Je vais vous vous montrer ce qu'on s'est trouvé. On a principalement regardé, je dirais, pour du stock pour la maison, comme on disait, parce qu'on est vraiment là. Dans notre décor, dans notre étape. Fait que on a pris. Il y avait tellement du beau stock. Je pourrais vous mettre tout ce que je suis capable de vous retrouver en barre info là, si jamais vous voulez les regarder pour vous. Fait que. Checker ce premier vase-là qui est fait comme ça, qu'une espèce de genre dimension. Je me disais que sur une tablette, là, les deux, on l'aimait vraiment beaucoup. Puis il est texturé. Je sais pas si on peut voir à la caméra. Genre peut-être ce côté-là un petit peu mieux. Ouais, il est texturé, puis il y a des petits picots dedans. Techniquement, c'est un vase, c'est pour mettre des fleurs, mais je pense vraiment qu'on va le mettre juste comme ça. On va commencer à avoir vraiment du stock qui fait du sens pour les étagères et la déco de la maison. Après ça, on a pris un vase comme ça, qui est un vase tout noir, qu'on aimait encore une fois vraiment la shape. Même chose, c'est le genre de choses, tu peux mettre des fleurs. Évidemment, c'est un vase, mais tu peux mettre des fleurs dedans. Ou tu peux juste le laisser comme ça. Fait que je pense qu'on va le laisser juste dans le même, parce que la forme en soi est quand même assez unique. Fait que c'est quand même vraiment cool. Ok, on a manqué de batterie. Donc c'est ça, les deux vases. Après ça, je m'ai pris deux casquettes. J'hésitais, ben vous avez vu, j'hésitais entre une coupe, mais j'ai vu cette ailée-là, toute noire. J'en avais déjà une blanche. Fait que j'ai comme, je n'ai pas de toute noire, celle qui est plus foncée que j'ai, c'est comme charcoal. Fait que je trouvais que c'était parfait justement pour qui on va prendre nos petites marches. Puis c'est une équipe là, je pense, de baseball, mais c'est ça, je m'en fous un peu. Ça fait vraiment longtemps que je veux une casquette aussi verte comme ça, qui est flash. Je l'ai pris dans la section pour hommes. Fait que de la marque, je pense, directement de Simons, c'était vraiment pas cher, c'était 16$. Fait que je la trouve vraiment cute, genre justement avec un outfit d'entraînement tout noir, puis ton pop de couleur, c'est ta casquette avec genre des petits souliers, sneakers blancs. Je pense que ça peut être vraiment mignon. Après ça, on a pris vraiment random une petite boîte à Kleenex, comme ceci, toute noire. Après ça, un petit porte-savon qui est de la même collection que notre truc pour se laver les mains de savon dans la salle de bain et que notre verre d'eau. Fait que on n'avait jamais pris le petit porte-savon. Fait que quand je l'ai vu, je pensais qu'il était discontinué. Mais il n'était pas, fait qu'on l'a pris. On a pris un petit tray comme ça, en genre de rotin. C'était vraiment beau. Puis, je sais pas exactement où je vais le mettre. Mais je suis convaincue que je vais être capable d'y trouver une utilité là, fait que ça peut être autant en déco dans le salon que sur une table de côté que sur à peu près n'importe quel endroit proche. Puis on a pris un gros coussin, j'aimais vraiment ce coussin là, en tout était moins sûr, mais j'étais comme garde, fais-moi confiance, trust the process. Fait qu'un gros coussin comme ça, crème avec des petites franges ou des petits détails au devant. Fait que je me disais ça, on peut l'utiliser soit dans le salon, soit dans la chambre. Je l'utiliserais plus dans la chambre, mais toutes les options sont faisables. Fait que ça ressemble à ça pour les petites trouvailles Simons. Je suis vraiment contente, ils ont vraiment de la belle déco. Il n'y a pas une énorme section, mais ce qu'ils ont, c'est vraiment beau. On a vu des assiettes qui étaient incroyablement belles. Genre on aurait dit en espèce de pierre en termes de texture visuelle, là, mais pas en termes de toucher. Toucher, c'est vraiment juste comme des assiettes standard, mais ils étaient vraiment belles, mais ils étaient vraiment chers. Fait que, on s'est dit que ça allait être correct. Finalement, ouais. Ah, j'aime full ça, je suis vraiment contente. Check ça. Cute, non? Puis tant qu'à vous montrer la déco, ben je vais vous montrer les petits trouvailles que j'ai faites aussi au Winners hier. C'est un peu intense, là, la déco ces temps-ci, je vous dirais, mais c'est ça. C'est vraiment mon petit dada. Fait que j'ai trouvé un livre comme ça qui est vraiment plus décoratif. J'aimais vraiment les couleurs pis tout. Fait qu'on peut autant le... C'est vraiment plus à titre, justement, décoratif. Fait qu'on peut autant l'ouvrir puis l'utiliser comme ça que l'ouvrir puis laisser fermer. Que le laisser fermer, en fait. Un petit vase comme ça qui est un peu spécial comme shape, mais qui était vraiment beau. Un pot, celui-là, c'était plus pour mettre dans la cuisine, style bol à fruits. Fait que, avec la nouvelle cuisine, ça va être vraiment mignon. Sinon, un genre de card gold et en genre de lin.
Bonjour! Fait que c'est ça, je me disais que c'était une bonne façon d'incorporer un petit peu de gold dans notre décor. J'ai trouvé cette espèce de genre de boule là, un petit peu asymétrique dans le fond, là, dans des photos Pinterest que je voyais. Puis souvent, ils mettaient ça sur un livre, comme ça. Fait que tu sais, de côté, c'est quand même vraiment mignon. Fait que ça risque d'être le vibe. Puis finalement, un petit bac en rotin encore pour continuer le style de la maison en entier. Fait que... bien contente de tout ça. On va avoir du bien beau stock là, pour vrai, pour les tablettes du salon. Puis après ça, ce qui va rester, c'est je vais comme répartir un peu toute la déco à travers la maison, dans notre chambre, puis dans la cuisine. Bref, c'est bien le fun. C'est une étape vraiment très cool. Qui coûte cher, mais très cool. On se prépare. On est quand même brûlé de notre adventure. Mais... ouais, la route, c'est quand même une heure pour aller, une heure pour revenir, puis on n'était pas bien dans le trafic. Mais, il fait beau. C'est une belle journée, puis on s'était dit qu'on allait aller marcher aujourd'hui, puis que si on y allait pas ce matin, on y allait cet après-midi. Ouais, mais on n'avait pas parlé d'une aussi grande marche. Non? Non. Je m'attendais à faire genre... ouais, tu veux faire un petit tour? Non, je suis vraiment fatiguée. Ouais. Je suis levée trop tôt. Ouais. Mais bref, ouais, on va aller prendre une petite marche. Nouvelle lunette. Ouais, tu veux t'y montrer? Attends, on les voit pas super, super bien. Superbe. Les enfants, ça, t'es foncé. Check ça. Sexy glasses. Fais-tu bien? Ouais, ils sont vraiment belles. Je pense, je pense que je vais te... hein? T'aimais celles que t'avais? Ouais, c'est juste que la vie était trop graffinée, là, faudrait juste changer. Ouais, ben c'est les lunettes que t'avais quand t'allais en Thaïlande, il y a genre deux ans, deux ans et demi. Puis j'ai scrappé dessus d'abord. Je mets ça, moi? Ouais, ouais. Ouais, je pense que je vais mettre ça pour protéger mon visage du soleil. Les enfants vous laissent, ça va être correct. Ouais, on va aller prendre une petite marche, sûrement arrêter chez la mère. Hein. Wouh! Motivation! Oui. Finalement, l'exterminateur va pas passer aujourd'hui, elle va passer demain. Est-ce qu'on dit exterminateur ou exterminatrice? Dominatrice. Ouais, tu penses? J'en ai aucune idée. Mais bref. Hein? Petite dominatrice. Oh, niaiseux. Ouais, elle va passer demain parce qu'elle a des problèmes avec sa machine. Fait qu'on aime aussi bien que. Ah, vienne quand sa machine fonctionne. Faut juste que je l'ajuste avant de partir. T'as-tu une clé? Cool. On vient juste de revenir à la maison. On t'a. Si, on... bah, j'ai pas filmé. T'allais prendre une marche, là. Je vous le dis. Mais ouais, on t'allait prendre une marche. On a marché jusqu'à chez la mère en tôt. Puis au début, on t'a dit comment on va revenir. On va revenir à pied, finalement. Elle était comme, oh, je sors, voulez-vous que j'aille vous porter? Elle était comme, ok. Les deux, on était brûlés. On t'arrêtait à l'épicerie en revenant. Fait que ce soir, on se fait un petit souper style pâté fromage adapté à baby. Mais ouais, Anto s'est pris quand même des viandes froides. Là. Lui, il a le droit. Fait que j'avais envie de raisins. Il y avait genre un mini paquet, puis on les perd toujours, nos raisins. Fait que j'ai comme, ça va être parfait pour. Ne pas qu'on les perde. Anto s'est pris un petit paquet justement prosciutto et compagnie, tout mélangé. On a pris de la nourriture à Luna parce que pauvre petit chat, elle a bien hâte d'avoir sa nourriture. Baguette de pain, ça faisait un peu dur, là, fait qu'on a pris la moins pire. Ça là, si jamais vous avez jamais goûté à ça, c'est vraiment bon. C'est des Cheez-It cheddar extra épicé, c'est les best que j'ai fait goûter Anto. Puis aime vraiment ça. On va se faire des petits Virgin Caesar, bloody, peu importe. Fait qu'avec le clamato normal, pris du boursin. C'est la première fois qu'on essaie cette saveur-là qui est basilic et ciboulette. C'est ça, le comprend? Ça, oh my god. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient déjà goûté à ça. C'est sûr que oui, là. Les Extreme Bean. J'ai goûté à ça quand je travaillais dans un resto. Ils faisaient les bloody puis ils mettaient ça dedans. C'était délicieux. Fait que justement, c'est ça qu'on s'est dit. On va prendre des bloody puis je vais prendre des petits haricots marinés. Ils sont super... sont vraiment marinés. la rillette de canard. Donc on peut pas prendre de pâté et un brie pasteurisé comme ceci. On le fait fondre au four. J'ai pas pensé, mais on a rien pris pour le faire fondre. On a absolument rien. J'ai pris une coupe de jus Oasis parce qu'il est en spécial. Puis je suis une fanatique de jus Oasis. Fun fact. Fun, pas fun. Mais j'aime vraiment ça. Quand c'est en spécial, je renfloue les stocks. Fait que ouais, on risque de se faire manger quand même bientôt parce qu'on a déjeuné. On a genre brunché ce matin quand on est allé au resto. On a grignoté un peu en revenant.
genre des légumes, humus, ce genre de choses-là, mais on n'a pas mangé comme de dîner consistant, fait que on risque de prendre ça. Qu'est-ce que vous faites? On risque de prendre ça quand même assez bientôt, puis les deux, on est quand même fatigués. Il fonctionne? Il est revenu, ton tape a mesuré. Wow. Nice. Malade. Je vais commencer à nous faire nos petits bloody. Oh non, ça passera tellement beau là-dedans. Oh. Bon, on va prendre des plus petits verres, c'est ce que ça veut dire. On en fera plus. Ouais, je sais pas. Peut-être parce qu'on vieillit, peut-être parce que on mature, mais après des grosses semaines de même, c'est tellement le fun, je trouve, de rester à la maison. Puis genre, tu sais, en plus, on était parti toute la journée, mais reste qu'on a vraiment, on a quand même des vraiment grosses semaines. Puis ça fait du bien, juste d'être mollo, relaxé. On a pas de plan, puis c'est bien parfait comme ça. Puis c'est ça, j'ai l'impression que ça vient avec l'âge. À un moment donné, tu t'assagis, puis tu ressens pas genre toujours le besoin de faire de quoi ou de voir du monde. C'est ça que je disais tantôt, que moi on parlait de ça tantôt. Ce sont quand même des personnes relativement indépendantes non plus, qui ont pas besoin de toujours voir du monde, toujours faire de quoi. Puis je suis tellement contente parce que j'ai l'impression que, tu sais, ça fait qu'on est capable de profiter du temps qu'on a ensemble, mais aussi c'est de profiter que quand on va voir du monde, ben regarde, c'est le fun, puis tu sais, c'est plus plus festif ou whatever, vu que c'est plus une occasion, genre. Je sais pas comment l'expliquer, mais bref. Puis je trouve ça le fun aussi que, tu sais, on a notre, chez nous, on a notre petite maison, puis tu sais, de créer genre des souvenirs ici, c'est vraiment le fun. Je pense qu'on est vraiment bien à la maison. Puis c'est le fun de se sentir justement chez soi. Tu veux-tu la vodka dans le tien? T'as laissé ta viande sur le comptoir. T'es en train de tout manger. Glace, jus de citron, Worcestershire. 1, 2, 3. J'ai tendance à les faire vraiment fort. Fait que je vais me calmer le pompon sur le Worcestershire. Oups. Et sur le tabasco. Mettre un petit peu de sel, pas beaucoup parce que c'est déjà salé, puis du mélange, on en a déjà un du verre. Ish. Fait que ça va être un semi-chaud, semi-froid. J'ai commencé à sentir bouger, fait que c'est tellement spécial là. Genre, je pense qu'il y a un soir cette semaine, j'ai commencé à le sentir bouger. Puis depuis ce temps-là, je le sens non-stop. Puis à chaque fois qu'on a eu des échographies ou qu'on a été, mettons, genre au prénato, utiliser le Doppler fœtal, quand ça fait une espèce de grichement, ils disent, oh, c'est parce que ça, il bouge. Mais à chaque fois que moi je l'ai fait à la maison ou qu'eux autres l'ont fait, il y a tellement un gros grichement. Puis là, vu que je peux le sentir, c'est vraiment fucké. Mais j'ai l'impression qu'il bouge pas non-stop, là, mais genre, cet enfant va être actif. Ça me fait quasiment peur. Qu'est-ce que tu veux là, ma mignonne? Ça fait quasiment peur parce qu'on va avoir un petit frère qui bouge autant que toi. C'est vraiment quelque chose. Mais c'est vraiment le fun. Je le vois pas, tu sais, des fois on voit comme mon ventre qui pop un petit peu là, juste à un endroit, genre parce qu'il est clairement là. Mais sinon je le sens beaucoup à l'intérieur que ça bouge. Puis quand je mets ma main, mettons quand je donne une petite pression, après qu'il ait bougé, après l'avoir senti genre à l'intérieur, je sais pas comment vraiment expliquer ça, c'est fucké là. Mais ouais, c'est bien spécial comme feeling. J'avais vraiment hâte à ça parce qu'on dirait que, tu sais, au début, tout ce que c'est quasiment juste, tu sais, oui, tu le vois à l'écho, puis ça, c'est vraiment une partie qui est, je veux dire, rassurante, là, qui est plaisante. Mais tu sais, la connexion est pas totalement là, là, on se mentira pas. Oh, excuse-moi, mienne. Fait que, je sais pas, je trouve que de le sentir bouger, puis tout, c'est vraiment un nice
feeling, puis j'ai hâte de voir, genre, c'est ça, j'ai hâte qu'Anto puisse le sentir. Il l'a vu, tu sais, il a vu comme mon ventre bouger, j'étais comme, ok, le check, parce que, genre, il est vraiment actif, fait qu'il le voyait bouger. Mais, moi, j'ai hâte qu'il puisse le sentir, puis j'ai hâte aussi qu'on voit, genre, tu sais, mettons, comme sa main, ou genre son pied. Mais tu sais, des fois, je le sens, là, comme tantôt, on conduisait, je conduisais, puis je le sentais qu'il s'assoyait sur ma vessie, parce que là, j'étais comme, oh my god, ok, là, j'ai un angle, puis tu sens une pression, là. Puis j'étais comme, j'ai vraiment envie de pipi instantanément. Puis deux secondes après, il s'est tassé. Puis c'était correct. C'est tellement spécial, là. Vraiment, vraiment un nice feeling, je trouve. Je vais commencer à placer les petits plats, les petites affaires. On a notre petite assiette. Bon, c'est pas optimal, mais il y a une de mes amies qui le fait vraiment bien, puis j'essaie de m'inspirer de ce qu'elle fait. Fait que on a des petits crispers, des pains, des petits craquelins. J'ai sorti une coupe de légumes aussi avec ça. Là, c'est notre setup est vraiment loin d'être optimal. Mais checker, placer le coussin aussi qu'on a acheté tout à l'heure. Puis ça fait vraiment bien, même dans le salon. J'étais pas sûre que ça allait avoir l'air trop chambre. Mais si on décide de le mettre ici, ça peut être vraiment très joli. Hein, ma petite mignonne? Fait qu'on va manger ça, puis on va écouter notre émission du moment. C'est Top Boy, une de mes amies qui me l'a recommandé. C'est pas si mal, c'est très violent. C'est pas si pire, mais c'est pas ma série, c'est loin d'être ça, ma série préférée. Bref, on va regarder ça en mangeant notre bon petit souper.